Daniel, donc qui a entre 12 et 20 mois, donc le numéro 26 Milka de l'élevage Carl Michelon, numéro 27 Makita de l'élevage Carl Michelon, numéro 28 Melty de l'élevage de Mylène Haïfa, et la numéro 29 Myrtille également de l'élevage de Mylène Haïfa. Donc Milka est une femelle croisée d'Rottmaster Santa Gertrudis de 13 mois. Donc ce matin, elle pesait 290 kg. Makita, la numéro 27, est également une femelle croisée d'Rottmaster Santa Gertrudis de 13 mois. Et ce matin, elle pesait 282 kg. La numéro 28, Melty, de l'élevage de Mylène Haïfa, 16 mois, croisée Sénépol Limousine, elle pesait ce matin 437 kg. Et Myrti, numéro 29, 14 mois, également croisée Sénépol Limousin, qui faisait ce matin 309 kg. On va demander... On va demander à tout le monde voilà, de vous présenter devant les juges. Donc la catégorie croisement, c'est une catégorie qui a été ouverte récemment. Donc ce ne sont pas des animaux qui sont inscrits dans les livres généalogiques de Dupra, mais ce sont des animaux qui sont issus de croisements que Dupra suit, donc les Rottmaster, les Santa Gertrudis, les Sénépol, les Limousines. Et ça permet, l'ouverture de cette catégorie a permis à plus d'éleveurs de présenter des animaux qui sont très beaux, en état, très bien préparés. Donc aujourd'hui, on a donc deux croisements différents. Nous avons deux Rottmaster Santa Gertrudis et deux Sénépol Limousine. Et donc les jurys vont les juger tout ensemble dans la catégorie femelle croisée de 12 à 20 mois. Donc là, plutôt que de se baser sur des caractéristiques de race à proprement dit, les jurys vont plutôt se baser sur la présentation, l'aspect général de l'animal, la conformation. Sinon, elle a aussi des bons aplombs. Bonne largeur aux échions, une bonne largeur culotte. Ensuite, on va passer à la 27. Aussi, c'est un animal qui est bien, qui se tient bien.
C'est bon ? Oui, c'est bon. Et puis il y a un bon bassin. Par contre, elle est par rapport à, à Mika, elle a les ischios un petit peu plus resserrés. Largeur d'épaule, épaisseur des dessus aussi. La pêche de cul aussi. Là, on voit qu'elle est plus ouais, ouais, ouais. Ensuite, on va passer au numéro 28. Les petits, je précise que la, la 26 et la 27, c'est un croisement Groove Master Santa Gertrudis. Santa Gertrudis, c'est ensuite, c'est des croisements Sonépaule Limousin. Donc, on a déjà la 28 Melty, elle a une bonne mufle, c'est ce qu'on appelle la, la barre de coupe. Plus d'air plus rapidement, donc ils se remplissent plus rapidement et tout ça. C'est un animal qui se tient bien. 83, voilà, 83. Pas grave, il n'y a pas de, c'est en état. Avec des bons aplombs. Arrête. Le bassin. Ensuite, le numéro 29, Merville. Cet animal a une très bonne tête. On voit bien ce que disait la part de coupe. C'est le but. Cet animal qui se tient bien. Il a une tête de dessus. Une bonne épaisseur du dessus. Arrondi de culotte, il y a mal là. Le bassin correct, les ischions aussi. La jambe de culotte est aussi correct. On est peut-être à l'envers un peu plus que ça fasse des plis. Bravo aux éleveurs. C'est rentré le métier, c'est bon, comme il y a avec la il y a beaucoup de dramas dans le matin, c'est bon, c'est dur. La quatrième, le numéro 27, Makita, l'élevage Michelin Carl. On va juste appeler M. Carole Roy du conseil d'administration de l'EPRA pour venir remettre les cocardes, s'il vous plaît, au fur et à mesure. Ça fait 10 minutes. Je prends minute par minute.
mamie en face. Là, ensuite, côté, là, côté nous avons la numéro 28, Melty, avec la casquette rouge. Page Alpha Milen. Ça, c'est la troisième. Là, elle est bien. Ça, c'est bien, elle ne bouge pas. Je vais mettre à côté, les deux vont partir dans le décor. Oui, voilà. Non, quatrième, troisième. C'est bon. La deuxième, c'est toujours ça. C'est bon. Voilà. Thank you.